Et salut tout le monde, c'est Chrysophage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Alors vous le savez, en ce moment on s'amuse à faire un peu, enfin je m'amuse en fait à vous présenter certains parcs, certaines créations que je trouve intéressantes sur le workshop. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre du coup deuxième vidéo, qui cette fois-ci sera sur le thème de Thunderbirds. Thunderbirds, qu'est-ce que c'est? Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas, c'est normal, parce que c'est quand même assez vieux. C'est une série télévisée britannique qui date de, qui a été commencée à diffuser en 1965-1966. C'est une série en fait tout simplement basé sur des marionnettes, des maquettes, ce genre de choses. C'est excellent, enfin c'est adorable. Moi mes parents m'ont fait découvrir ça il y a quelques années, parce qu'il faut savoir que quand j'étais enfant, enfin même eux quand ils étaient enfants, quand ils sont nés, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Donc c'est plus vieux que mes parents. Enfin bref, c'est plus vieux pour que la plupart de certains de vos parents, mais évidemment. Et du coup, ça me plaît énormément de vous présenter ça. Et du coup, tout de suite, en quelques images, je vais vous montrer ce que c'est Thunderbirds. Donc un petit montage va défiler devant vous. Parce qu'il y a eu aussi une version de Thunderbirds qui a été refaite en 2015 récemment. Je viens d'entendre parler, j'en avais jamais entendu parler encore. Et du coup, voici les extraits. Ah donc creux, donc j'espère que ces extraits vous auront plu. En tout cas, nous on se retrouve du coup sur l'île. Et donc du coup, nous avons ici... C'est numéro combien celui-là? Oh, par contre, je me sens un pu des numéros. Ah, honte à moi. Alors du coup, c'est un parc qui a été réalisé par Masseline. Je sais pas du tout son pseudonyme se prononce comme ça. Masseline. Et du coup, en fait, c'est représentatif en fait des Thunderbirds. Donc on a le 1 qui est ici. Ça par contre, je m'en souviens. On se souvient des numéros. Non, c'est le 3. Ok, super. Je me souviens plus des numéros, et donc du coup il a rajouté en fait des attractions avec, donc ça ressemble vraiment au hangar, hein, des Thunderbirds, c'est vachement stylé, moi j'adore, donc bien évidemment dans la série télévisée, chaque Thunderbird avait des missions précises, et en fonction des missions, il fallait en envoyer le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et donc en gros c'était là pour sauver un peu le monde, un peu le monde de leurs soucis et tout. C'était vachement bien fait pour un truc de l'époque quand même. Donc là, on peut retrouver le petit coin de la cheminée, le petit salon, avec ici la petite salle, la petite table de réunion et tout. Le petit lit, la petite chambre. Et il me semblait qu'il y avait une salle. Il semblait qu'il y avait une salle où on pouvait avoir les portraits. Où est-ce qu'elle est, cette salle? Ah, elle est peut-être en haut, ici. Yes! Voilà, donc voilà à quoi ressemblent en fait les marionnettes. Vous l'avez vu dans l'extrême, mais voilà un peu à quoi ça ressemblait. Et c'est vachement fidèle. Moi j'adore. C'est vachement fidèle en fin de compte à ce qu'on pouvait avoir à l'époque sur la télé, sur la série télévisuelle. Donc ici, oui, effectivement, il y avait la piscine qui se décalait pour faire sortir une autre fusée. Qui celle-là était le numéro 1. Alors, je savais bien qu'il y avait une fusée qui était numéro 1. Donc moi ce que je kiffe c'est les attractions derrière qui sont vachement bien foutues, bien calées dans l'endroit. C'est vachement représentatif de la série en fait. Moi là du coup là je suis comme un gamin là actuellement. Je suis comme un gamin, moi ça me plaît. Ça me plaît ce que je vois. Yes, je sais qu'il y a une attraction à faire. Alors je pense qu'il y a une attraction sur rail, peut-être, je ne sais pas. Là, ici. Yes. On a bien une attraction sur rail.
Ce qu'il faut savoir dans une Thunderbird, il y en a 5. Je vais juste baisser un peu le son du jeu. Régler le volume, voilà. Parce que je sais que dans la série télévisuelle, il y en a 5 de Thunderbird. Donc je crois que c'est le dernier, c'est le cinquième. On a aussi un espèce de véhicule qui fait un peu sous-marin aussi. Enfin, je me souviens plus trop, ça fait tellement longtemps que j'ai regardé, ça date un peu. Mais je sais qu'il y a un numéro 4, et le numéro 4, en fait, c'est une station spatiale. Enfin, une station orbitale, un satellite. Ok, donc non, elle est pas là, l'attraction. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait une attraction. Ah, je suis déçu. Ok. Donc là, donc, ils ont fait... Ah, si, il y a bien une attraction sur rail. Je n'ai pas rêvé. Oh, avec la musique. Oh, non. Ils sont buggés ou quoi? J'ai l'impression qu'ils sont buggés, hein. L'attraction a l'air complètement buggée. L'attraction est en panne. Ah! C'est bon. Je vais voir ce que ça donne, moi. Oh, déjà, pas de lumière, ça devient noir, non! Ça, c'est le générique officiel. Ça, c'est le numéro 5. Donc oui, c'était le numéro 5, ok. Ça, c'est la station orbitale, donc c'est la... enfin, c'est le satellite, comme je vous avais dit. Donc c'est ça le générique en fait défilé, on entendait le 5, le 4. Donc là on a le 4. Donc le vert c'est le 3. Donc le 4, voilà, ce que vous disiez, bah, le système sous-marin, il allait sous l'eau et... Je suis comme un enfant là. Ouh le lag. Ouh le lag. Ouh le... Oh là, la chute des FPS. Welcome to Planet Coaster. Voilà, moi c'était mon préféré celui-là, parce qu'on pouvait mettre des véhicules dedans. On pouvait mettre plein, il y avait plein de types d'accessoires dedans, c'est trop stylé. Voilà, il y avait le hangar qui s'ouvrait avec l'accessoire qu'il fallait en fonction de la demande. Ah là 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 là. Waouh. Vachement stylé, c'est très, c'est très reconnaissable, c'est vachement, moi j'adore, donc voilà, Macedine, tu arriveras dans mon top, quand je ferai un top, tu arriveras dans le top des parcs que j'ai pu voir, non mais en vrai, d'un point de vue réalisme, enfin, c'est très réaliste, parce que Thundermare, ça pourrait être quelque chose qui existe dans la vie réelle, parce que c'est pas non plus, ça reste quand même dans le réalisme, ça c'est des... ce serait un véhicule comme un avion à pression hydraulique pour soulever, ça existe déjà, donc, à l'époque, en 1965, pardon, ça paraissait peut-être futuriste, mais maintenant, quand on voit en 2020 ce qu'on est capable de faire, clairement, les Thunderbirds, ce serait complètement possible, hein. Le 5, ça pourrait être l'ISS, enfin voilà, toutes les... enfin, deux trois quarts des véhicules qu'on voit là-dedans sont déjà existants ou pourraient exister dans la limite du raisonnable. Hein. Il y a des capacités qu'ils ont qui ne seraient impossibles d'avoir. Hein, mais moi, je pense en 2035, les Thunderbirds existeront.
Non, j'en sais rien, mais ce serait vachement bien. Mais bon, enfin bref, donc du coup, moi je suis fier. Et du coup, il y a un truc là. Ah, l'entrée du parc, elle est là! Oh, super stylé! Et donc en fait, ils rentrent là, les mecs. Ils rentrent dans l'intérieur. Ah, là, j'ai pas bien fait attention. Ah, et là, c'est que des. Oui, bah oui. Parce que le véhicule vert, il sortait de là. Et il était chargé, alors je sais plus quoi, je me souviens plus trop de la série, mais je me souviens qu'il y avait un système en fait de chargement. En gros, il choisissait son caisson en fonction de la mission qu'il avait besoin de faire. Et donc c'était vachement stylé. Enfin, pour un truc, franchement, quelque chose que vous incite à regarder, si vous êtes plus dessin animé, regardez celui de 2015. Parce que c'est à peu près les mêmes histoires qu'en 1965-66, hein, ça a toujours un peu le même scénario hein, comme une série. Mais sinon, je vous incite vraiment à aller regarder ceux de 1965. Enfin, si vous accrochez, au moins regardez le premier et deuxième épisode. Si vous accrochez, regardez. Hein, mais moi, franchement, j'ai surkiffé les Thunderbirds à regarder à l'époque. Enfin, bref, donc du coup, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Cette visite a été courte. Attends. Donc là, on a les. Oui, donc là, ici, on a la salle avec les têtes des mecs. On a autre chose en dessous, je l'ai vu. Je l'ai vu, monsieur. Oh, mais oui, la salle du professeur fou, comme je l'appelle, mais je sais même plus si c'était un peu fou, mais ils avaient un espèce de professeur, docteur, je sais pas quoi, là, à lunettes, un espèce de psycho, enfin, un technicien, atome, tout ça, enfin, scientifique, quoi. Et le mec, il faisait à chaque fois, il leur demandait, vous pouvez faire ça et tout, et. Ouais, c'était trop stylé. Voilà, donc je vous conseille énormément à aller regarder ça. Si vous avez ce parc-là, enfin, si vous avez Planet Coaster, je vous incite aussi à aller visiter ce parc-là et à aller aimer et commenter ce qu'a fait Massonine. Donc voilà, donc bien évidemment, comme d'habitude, le parc sera dans la description et je vais essayer de vous trouver. Ah, mais j'avais pas vu, elle était là aussi. Oh! Vous êtes là, monsieur, monsieur 5. Trop stylé. Trop stylé. Thunderbird 5. Enfin, Thunderbird 5, exactement. Et donc en français, mais évidemment, Thunderbird, si vous voulez le chercher, c'est les Sentinelles de l'air. Qui était diffusé sur Antenne 2. Qui est actuellement France 2, pour ceux qui ne le savent pas. Enfin bref, donc du coup, voilà, j'aimerais mettre fin à cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, mettez un like et un commentaire, et au moins partagez la vidéo. Au moins comme ça, je pourrais vous sortir d'autres vidéos comme ça sur des parcs atypiques. Et que je peux trouver sur Planet Coaster, parce que j'essaie de pas faire trop des parcs basiques et tout, et que je trouve un peu des trucs atypiques qui seraient dans la limite du réalisme et tout, enfin bref. Donc si cela vous a plu, lâchez un like et n'hésitez pas à commenter, et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Alors je sais pas trop vraiment, en fait je les sors un peu au compte-goutte pour le moment, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, faites-le moi savoir, comme ça moi je pourrai en sortir plus souvent. Moi je vous dis bye tout le monde, à la prochaine.